Nassim Djezma a présenté hier soir un mini-concert gratuit pour son nouvel album, Le Qodem. L'artiste y a interprété plusieurs chansons extraites de son dernier opus, telles que Wesh Liken. Nous sommes ce soir au showcase de mon nouvel album, donc la présentation en avant-première de l'album. C'est 9 titres sur lesquels j'ai travaillé pendant pas mal de temps. J'ai pris le soin de préparer avec des personnes que j'aime beaucoup. Au niveau musical, l'interprète de Lomaïssa a misé sur la diversité en mélangeant rock, soul et style berbère. Il y a déjà 3 singles qui sont sortis. Romaïssa, Lul Goddam et Wesh Likan. Des chansons qui, alhamdoulilah, ont plu au public. Les personnes ayant assisté au showcase de Nassim Djezma, dont la majorité fait partie de la sphère artistique, se sont empressées de saluer la prestation de l'artiste ainsi que l'émotion qui s'en est dégagée. J'ai beaucoup aimé l'album de Nassim Djezma l'ami, l'artiste qu'on encourage tous. Je trouve déjà que Nassim Djezma est resté fidèle à son style et c'est ce qui fait son exception. De très belles chansons. C'était un très très joli concert privé. J'ai adoré son album. Très sympa l'album. Franchement, moi j'invite tout le monde à l'écouter. Il passe déjà en radio. Plein d'artistes qui sont venus, ça fait plaisir. Et l'album a djemni. Le son, il était magnifique. Le mastering, t'as le son. Et vraiment, vraiment top. Anna Roumaïssa, je reste sur les anciennes chansons, mais l'interprétation était magnifique. Le chanteur aux multiples talents est à la fois auteur, compositeur, interprète et producteur qui a pu gagner l'amour du public grâce à sa belle voix au timbre si particulier et ses tubes de qualité. Pour rappel, Le Qodem sera dans les bacs à partir du 16 octobre, donc en avant toute pour se le procurer.